Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents, d'avoir bravé la pluie pour venir écouter Monsieur Fourquet. Merci à l'université et puis à l'université permanente d'organiser toutes ces conférences. Jérôme Fourquet, vous allez aujourd'hui nous parler de la France, cette France que vous décryptez en continu dans vos missions à l'IFOP, l'Institut de sondage bien connu, où vous êtes directeur du département opinion et et expert aussi de géographie électorale. Alors après le succès de l'archipel français, une nation multiple et divisée, vous consacrez un nouvel ouvrage, La France d'après, tableau politique, c'est aux éditions du Seuil, un ouvrage, une thèse même, une somme, riche de courbes, de cartes, de graphiques, dans lequel vous auscultez notre pays à travers de multiples analyses attendues, mais aussi parfois, nous le verrons, qui peuvent surprendre. Nous le verrons tout ou presque, pour vous, est sujet d'étude pour suivre les signaux qui, à bas bruit, permettent de saisir les évolutions. Les révolutions, peut-être les fractures aussi que connaît notre pays et son environnement politique en profonde mutation. Alors on va parler évidemment de vos constats, mais avant cela, si vous voulez bien, Monsieur Fourquet, je voudrais que vous nous parliez de votre travail, de votre méthode, vos principaux outils pour travailler au quotidien. Quels sont-ils ? Vous utilisez beaucoup de statistiques, ça peut aller du nombre de médecins par habitant, aussi de l'étude de la pénétration des produits locaux dans les supermarchés, l'étude des prénoms. L'altitude parfois de la commune des votants, voire même, je l'ai lu, le taux d'équipement en machine à café à capsule ou à dosette chez les différents votants. Je ne sais pas, c'est toujours la subtilité là. Alors comment est-ce qu'on a l'idée, Monsieur Fourquet, comment on se dit, là il y a une donnée qui peut être signifiante pour comprendre notre pays dans sa globalité, et votre travail c'est aussi d'être attentif à ces petits signaux. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre présence. Merci à l'université pour son invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Alors, la méthode que j'essaie de mettre en application, c'est un peu une boîte à outils où on va aller piocher dans l'univers des sciences sociales différents outils, différents regards pour essayer de les mettre en résonance les uns et les autres et aboutir à une multiplicité d'éclairages qu'on va porter comme ça sur la société française contemporaine pour essayer d'éclairer, d'illustrer ces transformations, ces paradoxes et ces mutations. Alors, comme vous l'avez dit, moi, je travaille depuis plus de 25 ans maintenant dans le secteur des sondages d'opinion, des enquêtes. Et donc, bien évidemment, le sondage est souvent convoqué et utilisé dans mes ouvrages. Le sondage a beaucoup d'avantages, mais il a aussi des limites, en ce sens qu'on pourrait dire qu'il est assez jacobin, en fait. Il est fait depuis Paris, pour des raisons de coût, il est généralement réalisé auprès d'un échantillon de 1000 personnes. Et donc, quand on veut prendre en compte la dimension territoriale, l'aspect géographique, qui pour moi compte beaucoup, eh bien on bute un peu rapidement sur les limites de cet outil. Et donc c'est pour cela que j'essaie d'allier le plus souvent possible le sondage avec également l'analyse cartographique, typiquement cartographie des indicateurs de l'INSEE, de résultats électoraux, d'autres sources de variables analytiques qu'on va essayer d'aller glaner ici ou là. Vous savez qu'on parle beaucoup de l'open data, l'open source. Donc tout ça, c'est des grands mots, mais il faut quand même souvent aller piocher sur Internet pour aller essayer d'extraire la bonne donnée, la bonne variable qui soit utilisable et exploitable. Et donc c'est une espèce d'artisanat. Mais je crois beaucoup au croisement de ces différentes sources et de ces différents objets pour donner à voir la réalité de la société contemporaine. Et vous faites aussi un travail de journaliste. Je crois que vous allez, cette France, vous l'arpentez, vous discutez beaucoup avec des acteurs à la fois connus et puis oui, alors, lambda. Alors, le titre de mon livre, Tableau politique de la France d'après, c'est un clin d'œil et un hommage à un ouvrage fondateur en sciences politiques, le grand livre d'André Siegfried, qui s'appelait Tableau politique de la France de l'Ouest, qui a été publié au début du XXe siècle, en 1913. Et donc Siegfried, à l'époque, les sondages n'existaient pas encore, mais il cartographiait beaucoup de phénomènes. Et tout son livre s'inspire aussi beaucoup d'un certain nombre de constats, d'enseignements
qu'il a pu glaner en allant se rendre un peu comme un ethnologue ou un journaliste sur le terrain, en interrogeant des élus locaux, des responsables ou autres, et qui lui donnaient un certain nombre de pistes explicatives ou de clés de compréhension d'un certain nombre de phénomènes. Et donc c'est de cette démarche-là aussi dont j'essaye de m'inspirer pour donner un peu de chair à des données qui parfois sinon sont un peu arides. Hein. Vous voyez, un camembert, une courbe, des tableaux de chiffres, il faut mettre un peu de vie dans tout ça. Et c'est aussi souvent en se rendant sur place, sur le terrain, qu'on peut appréhender des choses, en regardant les paysages, le type d'urbanisme, le type de commerce, la façon dont les gens vivent, etc. Et donc ça nous met sur des pistes explicatives ou de recherche auxquelles on n'aurait pas forcément songé si on était resté le nez plongé dans nos tableaux de chiffres. Alors vous allez aussi sur Internet, vous nous l'avez dit, mais vous n'avez pas de réseaux sociaux, hein. Non, voilà, donc je limite tout ça, mais voilà, je j'utilise abondamment Internet, effectivement. Et alors, quelle complémentarité ou différence avec le travail que peut faire l'INSEE, par exemple ? Alors, on se sert beaucoup hein, des données de l'INSEE, hein, qui produisent beaucoup de données, qui sont essentiellement statistiques. Donc, il n'y a pas de monographie, il n'y a pas d'approche, comme on dirait dans notre jargon, qualitative. Et en général, en plus, les données de l'INSEE sont assez thématiques. C'est-à-dire que vous allez voir une publication sur la pauvreté, une autre sur le retard scolaire. Donc on va parfois croiser les variables. Mais ce qu'on essaie de faire dans ce livre, c'est vraiment de mettre en relation toute une série de données ou de variables et d'essayer de décloisonner. On est ici à l'université permanente. Moi, je crois beaucoup, notamment en sciences humaines, au fait de décloisonner les approches et les disciplines. Donc, quand on fait de la géographie électorale, on doit s'intéresser bien évidemment à la géographie, mais aussi à l'histoire, pourquoi tel courant politique est implanté ici et pas ailleurs, à l'économie, à la sociologie, à l'urbanisme. Et donc, c'est un peu la marque de fabrique, c'est essayer de croiser et d'hybrider ces savoirs et ces disciplines. Et la différence, c'est peut-être que vous n'avez pas de tabou aussi. Hein. Il y a certains terrains sur lesquels ne va pas forcément l'INSEE et vous n'hésitez pas à les explorer. Hein. Alors voilà, l'INSEE, c'est un institut public qui travaille très sérieusement, mais je vous laisse la responsabilité du propos, qui s'interdit peut-être d'aller regarder un certain nombre de choses dont nous, on pense qu'il faut qu'on les regarde de face si on veut comprendre la réalité du pays. Donc on n'a pas non plus de barrières, j'allais dire, philosophiques ou idéologiques à aller enquêter ou travailler sur telle ou telle thématique qui nous semble être importante pour que le lecteur puisse comprendre ce qui se passe dans le pays. On va en reparler tout à l'heure. Alors, votre livre s'arrache, hein, même si c'est un livre, c'est quand même une somme, hein, 500 pages, un livre très érudit, plein de chiffres, plein de cartes. Vous diriez qu'il y a une passion aujourd'hui des Français pour comprendre, tenter de comprendre et décrypter leur pays plus peut-être que dans notre voisinage ? Alors, plus que dans le voisinage, dans d'autres pays, je ne sais pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la population française, et notamment celle qui aujourd'hui à un certain âge, quand elle regarde, j'ai parlé de personne là, quand elle regarde son pays, quand elle fait un peu un travelling arrière sur sa vie, elle ne peut que constater l'ampleur des transformations et des changements auxquels elle a participé ou assisté. Et donc, pour toute une partie de la population, il y a sans doute la volonté de comprendre les clés de ces évolutions, de ces transformations, de se rassurer parfois, de s'inquiéter d'autres fois, en tout cas de mettre aussi des mots ou des chiffres sur des ressentis qu'ils ou elles peuvent avoir au regard, encore une fois, d'un environnement qui s'est quand même très fortement métamorphosé en quelques décennies. L'idée ne consiste pas à dire que jusque dans les années 60-70, la France était restée immuable, notamment dans une région comme la nôtre, ici dans les Pays de la Loire. Il y avait déjà eu énormément de transformations, mais force est de constater, ce que j'essaie de faire dans ces livres, que depuis les années 80-90, le rythme du changement et l'ampleur des transformations
a quand même considérablement augmenté, et c'est ce qui explique peut-être, sans doute, qu'une partie de la population souhaite se repérer, comprendre cet environnement de plus en plus mouvant et en tout cas métamorphosé. Alors là, il y a la population qui cherche à comprendre un peu ces mouvements. Il y a aussi nos politiques dont on dit qu'ils sont peut-être plus qu'ailleurs, là aussi, complètement drogués de sondages. Alors, des sondages, il y a des instituts un peu partout, en tout cas dans les démocraties. Hein, c'est un bon indice. Est-ce qu'il y a un institut de sondage indépendant ou pas ? Ça vous dira si on est en démocratie ou pas. Est-ce que nos politiques en France, ils sont... Oui, une partie de la classe politique les regarde attentivement. Elle a, elle aussi, besoin, cette classe politique, d'avoir des points de repère, des constats. Et je prends souvent cet exemple. Nous, on travaille notamment à l'IFOP pour le compte de municipalités qui veulent prendre le pouls de leur population locale sur la satisfaction sur les services municipaux, sur l'adhésion à tel ou tel projet, piétonnisation du centre-ville, construction de tel ou tel équipement, etc. etc. Et quand on restitue les résultats ou quand on va voir ces élus locaux, on leur dit, vous savez, en général, vous avez dans vos radars deux types de publics. Vous avez votre fan club qui vous dit que tout ce que vous faites, monsieur le maire, c'est très bien, etc. etc. Et vous avez les plus convaincus de vos opposants qui se rappellent à bon vos souvenirs lors des réunions publiques, etc. etc. Mais vous avez une grande partie de la population qui n'appartient ni à un club ni à l'autre, qui doit représenter à peu près 80% de votre population municipale, et dont il faut que vous puissiez prendre le pouls. Et donc c'est notamment via le truchement des sondages qu'on va faire ça. Donc c'est aussi comme, et on peut extrapoler ça au niveau national, avec une société qui se transforme, qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus archipélisée. Le politique ou les décideurs, mais c'est pas que les politiques, ça peut être aussi les décideurs économiques, ont besoin d'avoir des outils. Alors, d'aucuns diront, mais en fait, c'est des girouettes, ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ça, chacun jugera, et je pense qu'il ne faut pas tous les mettre dans le même sac. En tout cas, ils ont besoin d'avoir des points de repère, et c'est ce que les sondages, encore faut-il qu'ils soient faits correctement et bien analysés, peuvent contribuer à rendre comme service. Même si ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga d'une politique, bien évidemment. Alors, vous l'avez dit, la France a connu des transformations massives, énormes, depuis plusieurs décennies. Alors, j'ai pris dans votre ouvrage plusieurs de ces éléments de transformation. Je m'excuse d'avance, je ne sais pas si je les ai pris dans l'ordre où il aurait fallu les présenter. Un des premiers constats que vous faites, c'est l'internationalisation de la France. Oui, alors là aussi, attention à des visions un peu nostalgiques ou passéistes qui consisteraient à dire il y avait une France immuable qui était restée toujours égale à elle-même, qui était très hermétique à toute influence culturelle étrangère. Ça n'a jamais existé. Il y a toujours eu des influences étrangères qui se sont fait sentir. Mais là encore, le rythme de l'ouverture aux influences culturelles étrangères s'est considérablement accéléré au cours des dernières décennies. Alors, je peux prendre peut-être deux exemples. D'abord, avec un phénomène qui est devenu tellement massif qu'on le remarque quasiment plus aujourd'hui, c'est l'américanisation accélérée de notre société. Alors, on peut dire, OK, il est gentil, mais les GIs qui libèrent la France en 1944-45... le Coca-Cola, les banylons, les cigarettes, etc. etc. Dans les années 50, les westerns hollywoodiens, certes, tout ça existait, mais ça s'est considérablement accéléré depuis la fin des années 80. Si vous prenez les films qui font plus d'un million d'entrées en salle en France, depuis le milieu des années 80, on n'est jamais descendu en dessous de 50 à 60% minimum de ces films qui sont anglo-saxons. Alors que dans les années 50, 60, 70, c'était à peu près 30 à 35%. Et donc, comme on dit en bon français, vous voyez, la langue française est truffée de mots américains. Le soft power américain, l'influence a été massive par le cinéma. D'ailleurs, les Américains et certains de nos décideurs ne s'y étaient pas trompés.
quand à la Libération a été négocié le fameux plan Marshall, il y avait une contrepartie au plan Marshall qui se sont appelés les accords Bloom-Byrnes, donc de Léon Blum et de son homologue Byrnes, américain, qui avait comme contrepartie obtenu un quota de films américains dans les salles de cinéma françaises. Et donc on s'était battu pied à pied en France, notamment dans le monde du cinéma et de la culture, où à l'époque le Parti communiste était très influent, parce que les communistes, eux aussi, avaient senti le coup venir en disant les Américains vont, par le truchement du cinéma, diffuser toute leur idéologie et donc il faut s'opposer à ces accords. Et donc rétrospectivement, ce n'était pas complètement erroné puisque ça a été un des canaux de diffusion du fameux American Way of Life qui est aujourd'hui présent partout. Deuxième canot à côté du cinéma et de l'image et du son, c'est dans un pays de gastronomie, l'alimentation. Et donc, le premier McDo a ouvert en France milieu des années 80. Il y en a 1550 aujourd'hui en France. Et la France est le deuxième marché mondial pour McDo, après les États-Unis. Pareil pour Burger King, il y a 500 Burger King en France. Et donc là, petite anecdote, je suis sartois de naissance. Et donc je regarde encore attentivement ce qui se passe dans mon département. Et donc il y a un jour dans Ouest France un article qui parle de l'inauguration d'un Burger King à Écommois. Donc Écommois, c'est un chef-lieu de canton à 25 km du Mans. Et donc on interviewe le patron du Burger King. Il dit voilà, on avait fait une étude de marché. Et donc il y avait un McDo à la sortie sud du Mans, un autre à Château-du-Loir, sous-préfecture à 50 km. Mais entre les deux, il y avait un désert de burgers. Et donc, on a comblé le désert de burgers en installant un Burger King. Donc ça vous dit voilà, que ce n'est pas uniquement lié à la clientèle des grands centres urbains type Nantes. C'est aujourd'hui partout en France cette américanisation qui est assez spectaculaire. Est capable, c'est ça qui est très fascinant, de proposer des déclinaisons à chacune des îles de l'archipel français. C'est-à-dire que chaque public en France va avoir son propre rêve américain. Je caricature et je vais très vite. Si on habite dans le centre de Nantes, qu'on est connecté à la mondialisation, sa version du rêve américain, c'est le Starbucks Coffee, la Silicon Valley, etc. etc. Si on habite dans les banlieues de Nantes, je caricature et je vais très vite, on a une culture du ghetto, une culture du rap, qui vient aussi des États-Unis. Si on va à 30 ou 40 km de Nantes, dans des chefs-lieux de canton maillés par des rocades et des ronds-points, on va fêter bientôt le 5e anniversaire de la crise des Gilets jaunes. Dans cette France-là, c'est la France du Buffalo Grill, des clubs de danse country. Il y en a 2000 en France. Et donc, c'est cet imaginaire-là qui est aussi un imaginaire américain. Et le tour de force est accompli quand on s'intéresse à l'île de l'archipel français qui est sur le papier la plus anti-américaine, c'est-à-dire la gauche de la gauche radicale. Aujourd'hui, tout son logiciel est directement importé des campus américains. La cancel culture, le wokisme, le Black Lives Matter, etc., etc. Tout le référentiel est complètement américain. On cite dans le livre « La France sous nos yeux » avec Jean-Laurent Casselli un passage d'un ouvrage de Arnaud Montebourg qui raconte l'épisode suivant. Il était ministre à l'époque. Et donc, il fait partie d'une délégation qui se rend à Washington. Ils sont reçus à la Maison Blanche. Donc, François Hollande a le droit d'aller dans le bureau ovale avec Barack Obama. Et puis, tous les ministres font antichambre dans l'énorme vestibule. Alors, c'est la Maison Blanche, le vestibule, il doit être grand comme la Seine, là. Et donc, Montebourg raconte la scène en disant « Tout le monde est excité, prend des selfies, se donne des coups de coude ». Puis il y a la phrase de chute qui tombe, qui dit « comme si l'aboutissement de toute carrière politique française au plus haut niveau, c'est d'être un jour reçu à la Maison Blanche ». Et vous voyez que de mon club de danse country, de Châteaubriand ou d'Anceny jusqu'au sommet de la pyramide, l'ensemble de la société française partage
un rêve américain. Donc c'est pour montrer l'américanisation très forte qui s'est accélérée en quelques décennies, mais sur les mêmes canaux de diffusion, on a d'autres pays qui exercent aujourd'hui une influence très importante. Si on prend par exemple le cas du Japon, avec là aussi les images, donc d'abord les dessins animés, puis les films, mais aussi les mangas, les BD mangas japonais. La France est le deuxième pays au monde en nombre de mangas qui se vendent chaque année après le Japon. Et quand vous regardez aussi sur l'alimentation, regardez comment tous les sushi-bars ont colonisé toutes les rues de nos villes. Et en région parisienne, à Villepinte, se situe le parc des expositions de Villepinte, où on organise plein de manifestations. Et donc depuis 1999, il y a un événement qui s'appelle le Japan Expo, qui fait la promotion de la civilisation et de la culture japonaise. Donc les mangas, les jeux vidéo, les arts martiaux, l'architecture, la gastronomie, etc., l'urbanisme, etc., etc. Et donc l'année dernière, ils ont fait 252 000 entrées. Et donc c'est le troisième salon grand public le plus visité en France, après le salon de l'agriculture et le mondial de l'auto. Et donc vous voyez aussi le dépôt de cette couche japonaise, alors qui est moins aujourd'hui un peu moins visible parce qu'elle est plus récente. Elle va toucher jusqu'au public qui vont avoir 40-45 ans. Mais c'est en cours de sédimentation. Et donc ça ne vient pas effacer la couche américaine qui est toujours présente. Et puis la dernière venue dans l'édifice, c'est une couche sud-coréenne qui, là aussi, reprend les mêmes canaux de diffusion, la musique, les séries et l'alimentation. Donc là, c'est sur un public plus jeune. Et donc tout ça s'hybride très, très fortement. Et alors cette américanisation slash internationalisation, elle se décline aussi par les flux touristiques. Hein. Vous citez des chiffres, depuis 1991, on est passé de 55 millions de visiteurs annuels à 90 millions aujourd'hui. Elle se décline aussi dans l'installation de beaucoup de Français à l'étranger. Oui, alors effectivement, l'ouverture de la société française se fait aussi par l'accueil de touristes très nombreux et également par l'expatriation de toute une partie de nos compatriotes. Hein, qui... Alors, il y avait le célèbre film de Clapiche, L'Auberge espagnole, sur le fameux programme Erasmus au début des années 2000. Et donc aujourd'hui, Clapiche a sorti sur Netflix, hein, vous voyez, une série qui s'appelle Salade grecque. Et donc, c'est les enfants des personnages principaux de L'Auberge espagnole. Donc, on est une génération plus tard qui, à leur tour, vont faire leur année de césure à l'étranger. Et puis, plus globalement, à côté de ces étudiants, on a toute une partie de nos compatriotes qui, pour une partie de leur vie ou toute leur vie, aujourd'hui, n'hésitent plus à s'expatrier. Et tout ça, bien évidemment, contribue au grand brassage culturel dans lequel nous sommes plongés, avec des aspects parfois assez surprenants. Vous voyez, une pratique qui était très peu répandue chez nous jusqu'au début des années 80, mais qui était déjà qui avait pignon sur rue aux États-Unis, qui est la pratique du tatouage. J'entends des murmures dans la salle. Confirmer que voilà, c'était pas quelque chose qui s'est pratiqué de tout temps chez nous. Quand vous regardez des données de l'IFOP, 18% de la population adulte est tatouée aujourd'hui en France. Mais si on affine les résultats, les 65 ans et plus, ils sont tatoués à hauteur de 1%. Donc si monsieur n'a pas fait son service dans la marine ou s'il n'exerçait pas des métiers très spécifiques, il n'y a aucune probabilité statistique pour qu'il soit tatoué. Les enfants ou les petits-enfants de ces personnes, les moins de 35 ans, eux sont tatoués à hauteur de 35%. Donc ce n'est pas encore majoritaire, mais c'est une très grosse minorité, et ça aujourd'hui complètement pignon sur rue. Il y a 4000 artisans tatoueurs en France. Et donc il y a un ou deux ans, j'étais en vacances dans les Côtes d'Armor, dans une zone où on se tire la bourre entre le Télégramme de Brest et Ouest-France. Donc j'étais venu en Bretagne voir le granit rose, manger des galettes. Et donc le matin, à la boulangerie, donc il y avait les deux affichettes, Télégramme et Ouest-France. Et donc le Télégramme disait « Lannion, ouverture d'une école de tatoueurs ». Et Ouest-France répondait « Tacos », on parlera peut-être du French tacos, vous savez, plat Tex-Mex, « Tacos, les Bretons en raffolent ». Donc je me suis dit, voilà, donc il
il y a encore des galettes et un guenadu en Bretagne, même à Nantes. Mais il y a aussi tout ça qui s'est superposé. C'est ça qui m'a mis sur la piste de cette idée de France d'après. C'est-à-dire que c'est toujours la France. Mais comme la Bretagne, elle reste immuable. Mais il y a aussi toutes ces couches qui, à rythme assez rapide, se sont déposées et qui donnent parfois des situations assez cocasses ou étranges dans ce grand maelstrom, en fait. Et puis l'internationalisation, elle passe aussi par le changement de population qui est important dans certains départements. Oui, oui. Alors, on parlait des touristes ou des expatriations. Il y a un autre phénomène majeur qui contribue à la transformation rapide de la société française, c'est le phénomène de l'immigration, qu'on peut documenter de différentes manières. Alors, il y a les données de l'INSEE qui comptabilisent. Alors, il faut savoir lire les chiffres, proportion d'étrangers, d'immigrés, avec des définitions très précises, français, d'origine étrangère ou immigrée, etc., etc. Nous, dans l'archipel français, on s'était justement appuyé sur un gigantesque fichier de l'INSEE, qui est le fichier qui recense toutes les naissances intervenues en France et qui fait figurer dans ce fichier uniquement le premier prénom qui est donné à chaque enfant. Et donc, on a passé tout ça au tamis. Ça nous a donné beaucoup d'éclairage sur toute une série de transformations de la société française. Notamment sur, on a parlé tout à l'heure de l'américanisation. Vous avez vu se développer toute une mode pour les prénoms anglo-saxons. On a comptabilisé qu'au pic de cette vague, au début des années 90, on avait 13% des nouveau-nés en France qui, cette année-là, avaient reçu un prénom anglo-américain. Avec champion toute catégorie chez les garçons, Kevin, qui a été le prénom masculin le plus donné en France de 1989 à 1996. Number one, Kevin. Pas trop loin derrière, Jason, Dylan, Brian, etc. Et aujourd'hui, on a 160 000 Kevin en France. Donc, vous voyez, bon. Donc là, c'était un exemple d'utilisation de la variable des prénoms pour illustrer cette américanisation de la société française. Mais on peut aussi convoquer les prénoms pour essayer de prendre la mesure du phénomène migratoire qui concerne notre pays maintenant depuis une cinquantaine d'années. Donc de la même manière qu'on avait regardé le pourcentage de nouveau-nés qui recevaient un prénom anglo-américain, on peut faire la même chose avec les prénoms arabo-musulmans. Donc un prénom arabo-musulman, dans notre définition, c'est un prénom qui va se rattacher soit à la culture musulmane, soit qui est originaire des pays où l'islam est majoritaire, donc le Maghreb, la Turquie et une partie de l'Afrique subsaharienne. Donc c'est un corpus énorme, hein, il y a des milliers de prénoms différents. Et quand vous regardez le poids de ces porteurs de prénoms arabo-musulmans parmi les nouveau-nés, comment ça a évolué au fil du temps, de 1900 à 1950, c'est très simple, c'est 0% des naissances quasiment, moins d'1%, hein, sachant que le fichier de l'INSEE ne prend pas en compte ce qu'on appelait les départements, les anciens départements d'Algérie. Donc on est sur la France géographiquement contemporaine. Et au début des années 60, les 30 glorieuses, reconstruction du pays, appel à une main-d'œuvre étrangère, enfin immigrée, 62, fin de la guerre d'Algérie, arrivée des harkis en France, on voit timidement ces prénoms émerger à l'état civil chez nous, avec une part de marché de 1% des nouveau-nés. Et les derniers chiffres dont on dispose, on parle bien des nouveau-nés qui naissent aujourd'hui, on est à plus de 20% aujourd'hui de nouveau-nés qui sont porteurs de ce type de prénom. Donc là aussi, c'est une transformation très rapide en deux générations, parce que justement, on parlait tout à l'heure de croiser les sciences sociales, si on est sur l'étude de la démographie, la démographie, souvent, c'est du diesel. Hein, ça bouge très lentement. Et donc là, sur 50 ou 60 ans, qu'on soit passé de 1% de nouveau-nés porteurs de ce type de prénom à plus de 20%, c'est quand même un phénomène qui est assez spectaculaire et qui participe aussi à la métamorphose et à la transformation de la société française. Alors, il y a cette France qui s'internationalise, cette France qui se fracture aussi. Alors, vous revenez sur plusieurs aspects de ces fractures, ces déclinaisons de fractures. Est-ce qu'on peut commencer par la fracture économique? Et d'ailleurs, est-ce que c'est vrai? Parce qu'on entend quand même souvent que la France reste le pays qui redistribue le plus. Oui, alors, les deux sont vrais. C'est-à-dire que on est un pays où les prélèvements obligatoires sont quasiment les plus élevés au monde. Et donc le corollaire de tout ça, c'est que ça redistribue quand même très fortement.
À titre d'exemple, la France, comme les autres grands pays, a traversé la crise, la pandémie, la crise du Covid. Et quand on a regardé en sortie de Covid comment avaient évolué les inégalités dans chacun des pays développés, on s'est rendu compte que c'était en France que les inégalités s'étaient le moins creusées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne s'étaient pas creusées, mais c'était là que ça s'était le moins creusé, parce qu'on a un modèle qui redistribue encore beaucoup. Néanmoins, ces inégalités demeurent dans la société française. Nous, on a essayé, avec Jean-Laurent Casselli, dans « La France sous nos yeux », essayer de les illustrer en travaillant notamment sur les modes de vie, sur la consommation, puisque la consommation est devenue centrale dans notre système économique et dans nos modes de vie. On s'est dit que c'était là-dessus qu'on allait voir notamment apparaître ces divergences. Et donc, on voit bien, par exemple, si vous prenez l'univers de la grande distribution, ce secteur, dans ses évolutions, est très révélateur de cette fragmentation de la société. Ce n'est pas les Français qui ont inventé le supermarché, c'est les Américains, mais en France, on a inventé l'hypermarché, l'énorme grande surface. Et ce concept-là, pour parler comme les marketeurs, il était très adapté à la société française des années 70 ou début des années 80, qui était une société qui était pour le coup très moyennisée. C'est-à-dire que tout le monde faisait ses courses au même endroit, même si bien évidemment le ticket de caisse pouvait varier, mais ça correspondait bien à cette société en voie d'homogénéisation. Donc je renvoie notamment aux travaux d'un grand sociologue français, Henri Mandras, qui avait beaucoup parlé de cette France moyennisée. Et si je reste sur cet univers de la grande distribution, eh bien aujourd'hui, le format, comme ils parlent dans leur jargon, le format de l'hypermarché est en crise. Alors attention, pour eux, la crise, ça veut dire que ça arrête de croître. Ça ne veut pas dire que ça descend, mais déjà, ça, c'est un mauvais signe. Et pourquoi ? Parce que les clientèles se diversifient. Et donc, je caricature et je vais très vite. On a typiquement dans le centre-ville de grandes métropoles comme Nantes des choix qui ont été faits de positionnement d'une enseigne, par exemple, comme Monoprix, qui est montée en gamme pour s'adresser à la clientèle CSP+, des grands centres urbains. Donc là, il y a une montée en gamme assez spectaculaire. Je rappelle aux très nombreux jeunes de la salle que Monoprix avait fusionné avec Prise Unique. Donc si ce soir, vous allez faire un tour au Monoprix Gourmet, que vous convoquez vos souvenirs de Prise Unique, vous aurez un petit choc thermique. Là, c'est une illustration de la montée en gamme. Parallèlement à cette montée en gamme, vous avez, à la fin des années 80, l'arrivée du hard discount en France. Lidl, Aldi, etc., etc., qui s'adresse à une clientèle qui commence à décrocher et qui n'a plus forcément les moyens de suivre le rythme de la consommation et qui va commencer à fréquenter moins souvent l'hypermarché. À côté de ça, vous avez également le développement des enseignes bio, et on pourrait parler aussi du développement des circuits halal, etc., etc. Et donc, chaque île de l'archipel a son type de consommation qui s'affine, en fait. Et donc, si la grande distribution classique continue de truster la grande partie du marché, elle est beaucoup moins hégémonique qu'il y a 30 ou 40 ans. Et là, on a un signe de ce phénomène d'accentuation des contrastes et des écarts sociaux. Avec, dans la période la plus récente, un phénomène tout à fait spectaculaire qui a été marqué par le retour de l'inflation. Notamment sur les. Donc, on a retrouvé une situation inflationniste qu'on n'avait pas connue depuis le début des années 80, donc ça fait 40 ans, avec notamment une inflation particulièrement marquée sur le prix des produits alimentaires qui ont pris 25% en 2 ans. Et donc, ma partie de la population qui, déjà, depuis 15 ou 20 ans, fréquentait moins la grande surface classique, qui était plus sur les vides-greniers, la France du bon coin, le hard discount, etc., etc., qui était dans ce que nous, on appelle un peu une forme d'économie de débrouille, pour essayer de faire tenir toutes ses dépenses dans son budget. Eh bien, quand vous lui mettez 25% d'augmentation sur les prix des denrées alimentaires, là, il y a toute une partie de cette population qui ne peut plus suivre. Et donc, vous avez en tête le cri d'alarme qui a été lancé par le patron des Restos du Cœur il y a quelques mois,
en disant au rythme où vont les choses, on ne va pas passer l'hiver parce qu'on a un afflux de demandeurs, plus 40 ou plus 50% selon les lieux, qui est tout à fait spectaculaire. Et la grande distribution a abondé en ce sens, en disant que d'après leur relevé, on avait pour la première fois depuis 50 ans une baisse de la consommation alimentaire, non pas en prix, mais en volume. C'est-à-dire qu'on achète moins de nourriture aujourd'hui qu'il y a 2 ou 3 ans. Et donc ça ne touche pas, bien évidemment, toute la population française. Il y a une grande partie du pays qui traverse sans encombre la crise Covid, la crise inflationniste, etc. etc. Mais on a certains segments de la population qui étaient déjà tangents et qui aujourd'hui sont en décrochage. Une enquête de l'IFOP qu'on a menée au printemps sur la population qui vit avec le SMIC ou sous le SMIC, donc petite retraite, minima sociaux, etc. etc. 50% de ces gens nous disaient « nous, on a réduit les portions qu'on sert à table à la maison ». Et vous avez, on parlait des élus tout à l'heure, si vous discutez avec des maires ou des adjoints dans pas mal de communes, ils ont cette problématique-là sur les cantines scolaires, en disant on a les denrées alimentaires qui augmentent, mais on ne peut pas répercuter le coût sur le prix du repas de cantine, parce qu'on a une partie de la population dont on sait que si on augmente, ils ne pourront pas suivre, et c'est souvent le seul repas un peu équilibré qu'ils vont faire. Donc on a, par le biais de la consommation des modes de vie, pas mal d'indices qui nous montrent que même si la société française reste beaucoup moins inégalitaire que d'autres sociétés occidentales, il y a des choses qui se creusent et qui se distendent, en fait. Alors, il y a une autre fracture sur laquelle je voudrais vous proposer de revenir, c'est celle à laquelle les Français sont souvent très attachés, évidemment la question des services publics, avec des Français qui crient à l'inégalité, à la distorsion entre certaines zones qui sont très bien pourvues et puis d'autres complètement désertées. Qu'est-ce qu'ils en disent, vos chiffres, vos études là-dessus ? Alors, ces chiffres montrent bien la très forte sensibilité du public français à la question du service public. Puisque la France est construite beaucoup autour de l'État et de ses services publics, donc soit des services publics étatisés, soit des grandes entreprises publiques, EDF, La Poste, etc. etc. Et donc, on voit dans nos chiffres, mais aussi quand on se promène en France, quand on lit la presse régionale, comment la fermeture d'une maternité, d'une perception du trésor public, d'un bureau de poste, d'une gare, eh bien, tout ça produit des effets assez importants dans la population. Et il est vrai, ce que j'essaie de montrer dans le livre, que si on prend un recul sur 20 ans, quand vous regardez l'évolution du nombre de bureaux de poste, de perception du trésor public, d'antennes de la Banque de France, de tribunaux de commerce, de maternité, élément très important, eh bien, on a une contraction du maillage de ces services publics. Alors, qui a sa justification statistique et un peu implacable, en disant il y a des endroits qui se sont quand même très fortement désertifiés ou dévitalisés, et donc ça n'avait plus de sens de maintenir un service public dans tel ou tel endroit, puisque le nombre de gens qui le fréquentaient était très faible. Et vous voyez, typiquement, dans une métropole comme Nantes, qui s'enorgueillit chaque année de gagner 10, 15 000, 20 000 habitants, les Nantais font des enfants, mais il y a beaucoup de ces nouveaux habitants qui ne sont pas issus d'ici et qui viennent d'autres territoires. Et donc, on a eu une aspiration de la population sur les grandes métropoles et sur les zones littorales, où les services publics sont restés très présents. Et si vous voulez, c'est un peu la double peine pour ceux qui restaient dans les zones rurales un peu désertifiées ou les vieux bassins industriels en crise. C'est-à-dire que non seulement économiquement, c'était assez peu dynamique, de surcroît, la population soit vieillissait, soit diminuait. Mais en plus, le dernier élément qui donnait encore un peu de consistance à ces territoires, à savoir la présence des services publics, au bout du bout, a fini aussi par suivre le mouvement. Et donc tout ça a des répercussions électorales assez nettes. Hein, c'est-à-dire qu'on montre, notamment dans le livre, comment si on prend des communes de taille égale, des communes rurales, moins de 1000 habitants, la présence ou l'absence d'un bureau de poste dans la commune se traduit par un survote
de l'ordre de 3 points, par exemple, pour le Rassemblement national, à taille de commune identique, si vous avez une poste ou si vous n'avez pas de poste. Quand on est dans des endroits où on a fermé l'antenne de la Banque de France, la maternité, le tribunal de commerce, tout ça, dans l'imaginaire collectif, alimente un sentiment de sinistrose, de déclassement, en disant, en fait, on paye nos impôts, mais on nous retire tout, etc., etc. Nous sommes déclassés, nous sommes oubliés. Et donc, tout ça, en bout de course, finit par avoir aussi des répercussions électorales. Alors, au nombre de ces services publics, il y a évidemment la question de tout ce qui touche à l'éducation. Est-ce que ça, c'est aussi une source de fracture qui se développe ? Alors, oui, mais alors peut-être, merci pour votre question, ça me permet de mettre le projecteur sur un phénomène qui passe souvent sous les radars, alors qu'il est, de notre point de vue, absolument fondamental pour comprendre l'évolution de la société française sur les 30 ou 40 dernières années. Et nous sommes ici dans un événement organisé par une université. Vous vous souvenez peut-être, l'objectif et du slogan proclamé par un ministre de l'Éducation qui s'appelait Jean-Pierre Chevènement au milieu des années 80, qui disait « on va emmener 80% d'une classe d'âge au bac bon. ». Quand Chevènement dit ça, au milieu des années 80, même jusqu'au début des années 90, on l'a complètement oublié, mais à l'époque, il n'y a que 30% d'une classe d'âge qui va au bac. On a parlé de événements de 68, du rôle de la jeunesse étudiante. L'accès aux études supérieures s'était déjà démocratisé à l'époque, mais il n'y avait que 15% d'une classe d'âge qui allait au bac en 68. Il y avait quand même beaucoup d'étudiants parce que c'était les générations du baby-boom et ces générations étaient très nombreuses. Mais en proportion, c'était 15% d'une classe d'âge. Donc 68, 15%, 90, 30%. Vous voyez que ça avait doublé, mais ça avait mis 22 ans à doubler. Et on était encore à 30%, c'est-à-dire que l'écrasante majorité d'une classe d'âge, au début des années 90, ne poursuit pas jusqu'au bac. Et donc, depuis une dizaine d'années, nous sommes arrivés à l'objectif qui avait été affiché par Chevènement au milieu des années 80, c'est-à-dire qu'on a plus de 80% d'une classe d'âge qui, aujourd'hui, atteint le bac. Et ça change énormément de choses dans la société. Les attentes en termes d'emploi que vous allez occuper, les efforts que les familles ont faits pour que les jeunes poursuivent leurs études, etc. etc. Donc ça, c'est la révolution éducative qui a transformé très fortement la société française. Pour revenir à votre question, du coup, un des effets pervers de tout ça, c'est que la compétition scolaire s'est aiguisée. Et que maintenant, la ligne d'arrivée, c'est plus le bac, mais ça va être au-delà du bac, et donc il y a une compétition qui a décalé la ligne d'arrivée beaucoup plus tard dans ces jeunes générations. C'est la première différence. Deuxième élément, là, c'est des chiffres de l'éducation nationale elle-même, et on peut prendre aussi les comparaisons internationales. Parallèlement à la démocratisation de l'accès au bac, et chacun y mettra un lien de cause à effet, ou pas, on assiste aussi à une baisse du niveau global, notamment sur des examens qui sont réalisés pour l'entrée en 6e ou en CM2. Vous prenez la même cohorte avec les mêmes problèmes de mathématiques, la même dictée, et vous regardez à 10, 20, 30 ou 40 ans d'écart l'évolution des performances. Et donc, on a un décrochage du niveau moyen pour toute une série de raisons. Et donc, ce qui fait que la compétition scolaire aussi, aujourd'hui, se noue et se loge assez précocement dans certains milieux, avec le fait qu'on essaye d'éviter, dans certaines familles, que ces enfants subissent cette baisse de niveau général en inscrivant ces enfants dans des établissements privés dont on pense qu'ils sont préservés de ce phénomène d'affaiblissement général. Là aussi, et nous sommes dans le Grand Ouest, on a une métamorphose assez profonde. C'est-à-dire qu'historiquement, la guerre des deux écoles, c'était entre l'école des curés et l'école de la laïque. Aujourd'hui, ce combat est un peu
j'allais dire, enfin, est très déclinant, et puisque c'est un peu faute de combattants, tout ça. Le nombre de gens qui vont à la messe tous les dimanches doit avoisiner à peu près 3% en moyenne nationale. Or, on a encore un réseau d'écoles privées qui, à plus de 90%, dépend de l'environnement catholique, qui permet de scolariser à peu près 15% d'une classe d'âge. Donc, il manque des clients. Mais qu'à cela ne tienne, dans une grande ville comme Nantes, aujourd'hui, la principale motivation pour inscrire ses enfants dans le privé, c'est plus des convictions philosophiques, religieuses ou idéologiques, mais c'est la volonté que ces enfants soient le mieux préparés scolairement à cette compétition. Donc là aussi, les choses ont changé en quelques décennies seulement. Alors évidemment, on va parler de politique, hein, c'est un des grands aspects de votre ouvrage, mais un mot quand même, je ne voudrais pas faire une conférence anxiogène, mais c'est quand même un sujet important. Vous y consacrez un chapitre, c'est l'emprise du trafic de la drogue aussi, qui a fait que la France, elle change aussi avec ça, parce que ça concerne quand même des millions de gens. Hein. Oui, alors, on ne va pas faire de lien avec l'école. Non, il fallait que je le case à un moment. Pas stresser les gens. On est ici à Nantes, donc je pense que vous avez entendu parler de ce phénomène. Et donc, là encore, si on prend des chiffres qui sont des chiffres officiels, qui ne sont pas ceux de l'INSEE, mais ceux du ministère de l'Intérieur, qui avaient été donnés par Gérald Darmanin il y a un an et demi, les services du ministère de l'Intérieur recensaient 4000, ce qu'on appelle des points de deal en France. 4000. Et donc on avait fait le ratio entre le nombre de points de deal et le nombre de tabacs, qui sont eux légaux. Et donc je crois, de mémoire, on doit être sur une trentaine de milliers de tabacs et 4000 points de deal. Et donc aujourd'hui, ces points de deal, vous en avez une illustration à Nantes, sont implantés dans les quartiers sensibles des grandes métropoles, mais également, ce qui est tout à fait nouveau, dans la moindre ville moyenne de province. Si vous allez à Vannes, vous avez besoin d'acheter des substances prohibées, vous pouvez vous rendre dans le quartier Carcado à Vannes, où il y a des points de deal très bien répertoriés, etc., etc. On peut faire le même exercice à Saint-Nazaire, à Ancenis, à La Roche-sur-Yon, etc., etc. Donc ça, il y a toute une économie parallèle qui s'est mise en place, hein, 4000 points de deal, mais qui ont des effets tout à fait structurants, c'est-à-dire que tout ça contribue à enquister la délinquance dans des quartiers entiers. La carte des points de deal, elle colle assez bien à la carte des émeutes. Et le fait que, à l'été dernier, 100 communes de plus qu'en 2005 aient été frappées par des émeutes urbaines, notamment des villes moyennes dans la très grande périphérie de l'Île-de-France, grande périphérie lyonnaise, tout ça renvoie aussi à la diffusion souterraine de cette économie du deal génère une activité criminelle dans ces quartiers-là. Alors historiquement, c'était le trafic de cannabis, mais de plus en plus, vous avez aussi d'autres substances comme la cocaïne hein, qui arrivent par centaines de kilos dans les principaux ports français. Donc régulièrement, quand vous lisez Presse Océan ou Ouest France, on vous indique que une équipe a été démantelée à Saint-Nazaire avec un docker, des trafiquants, etc., etc. Et donc si cette économie, le Havre, on n'en parle même pas, et si cette économie parallèle est aussi prospère et accroît son emprise sur des territoires entiers, c'est aussi, il ne faut pas se voiler la face, parce qu'il y a des millions de consommateurs. Et donc comme on n'arrête pas le progrès, aujourd'hui, avec la crise Covid notamment qui a accéléré un certain nombre de processus, le consommateur n'a même plus besoin d'aller jusqu'au fameux point de deal. Il peut se faire livrer à domicile par tout un système que les trafiquants ont mis en place. Et donc, qu'il s'agisse de la déstabilisation de certains quartiers, de l'emprise mafieuse dans certains territoires, tous ces éléments-là nous font toucher du doigt que, voilà, si on veut s'intéresser aux transformations du pays, il faut aussi regarder ce qui se passe en matière de trafic de drogue. Je parlais des émeutes à l'instant. Vous vous souvenez qu'elles ont duré à peine une semaine cette année, alors qu'elles avaient duré plus de 3 semaines en 2005. Le gouvernement et le ministère de l'Intérieur ont dit, parce que nos forces de l'ordre ont bien travaillé, c'est vrai qu'on en avait mis beaucoup plus sur le terrain qu'à l'époque, hein, 45 000 cette année contre
12 000 au pic des émeutes de 2005. Mais de l'aveu de nombreux policiers de terrain et d'observateurs, si le calme est revenu dans les quartiers au bout de quelques jours, c'est aussi parce qu'il y avait une autre autorité qui avait dit aux jeunes qu'il fallait arrêter les bêtises. C'était les dealers qui ont dit qu'il fallait que le business reprenne. Et donc c'est ça aussi qui a joué un rôle majeur dans l'extinction des émeutes dans de très nombreux quartiers. Alors pour tenter de mener cette France en évolution, hein, qui change très vite, il y a une classe politique que vous auscultez, que vous décryptez hein, dans votre ouvrage. Une classe politique bah, évidemment marquée par l'arrivée en 2017 d'Emmanuel Macron, qui a complètement fait disrupter le système. Vous revenez longuement là-dessus. Est-ce que c'est vraiment le fait d'un seul homme ou alors c'était vraiment dans les tuyaux? Je dis ça parce que vous décryptez aussi oui. La fin de certaines baronnies qui avaient précédé. Hein. Tout à fait. Alors, souvent en histoire, vous avez la conjonction à la fois de lents mouvements tectoniques souterrains. Et donc c'est un peu tout le sujet de mes travaux, montrer comment toutes ces transformations dont on a parlé, eh bien, in fine, vont avoir des répercussions électorales. Et puis, ces transformations souterraines, tout d'un coup, elles sont accélérées ou révélées au grand jour par ce qui se passe en surface, avec le surgissement d'une personnalité ou d'une offre politique spécifique, un alignement de planètes avec des événements politiques divers qui vont créer une conjoncture qui vont permettre à ces mouvements souterrains de rejaillir à la surface. Et donc je pense que c'est exactement ce à quoi nous assistons depuis 2017, avec bien évidemment le rôle important joué par Emmanuel Macron qui a placé les charges explosives aux bons endroits pour que tout ça explose. Mais l'édifice était déjà grandement fissuré. Quand on prend un peu de recul, et si on reste dans l'univers de la tectonique et de la sismique, on avait déjà eu une première secousse qui nous avait mis la puce à l'oreille. 25 ans plus tôt, c'était le référendum sur Maastricht, 1992. Où là, la France avait été coupée littéralement en deux. 51% des Français avaient voté pour ce référendum, pour le traité de Maastricht, et 49% avaient voté contre. Et quand on avait regardé les cartes électorales nationales ou locales, on se rendait compte que la France du oui et la France du non, cette géographie-là, ne se superposait que très très mal à la géographie classique de la France de gauche et de la France de droite. Donc il y avait un nouveau clivage qui était apparu. Bon, on avait refermé assez rapidement le dossier en disant, bon, c'est un référendum un peu spécifique sur la question européenne. Et puis effectivement, ensuite, les élections nationales s'étaient déroulées. On avait repris le match de ping-pong entre la gauche et la droite sans que les choses évoluent très fortement. Ensuite, on a eu la deuxième secousse en 2002, élection présidentielle avec la disqualification soir du premier tour de Lionel Jospin, candidat du PS, et l'accession au second tour de Jean-Marie Le Pen. Puis troisième secousse en 2005 avec de nouveau un référendum européen où là cette fois c'est le camp du non qui l'a emporté à 55% avec un vote oui et un vote non qui a cisaillé en deux les deux grandes forces politiques. D'après les données de sondage dont on disposait à l'époque, si vous prenez l'électorat qui se définissait comme socialiste ou sympathisant socialiste, ceux qui, en plus d'être sympathisants socialistes, appartenaient aux professions cadres, professions intellectuelles, votaient à hauteur de 70% pour le oui, et ceux qui, tout en étant eux aussi sympathisants socialistes, mais étaient ouvriers ou employés, avaient voté à plus de 65% pour le non. Donc dans une même famille politique, il y avait ce clivage de classe très, très puissant qui avait fracturé les choses. Et quelque part, ces fractures ont continué de travailler souterrainement. On arrive ensuite donc à l'élection présidentielle de 2007, où on peut se dire rétrospectivement que c'était une répétition générale de 2017.
Sauf que le candidat testeur, si on peut l'appeler comme ça, c'était François Bayrou, qui avait fait un peu essayer de jouer la même stratégie que 10 ans plus tard Emmanuel Macron. D'ailleurs, il l'a soutenu ensuite. L'offensive par le centre, le dépassement du clivage gauche-droite autour d'un discours assez pro-européen. Et François Bayrou réalise quand même une performance. Hein, il fait 18,5% des voix à l'époque. Sauf que deux choses. D'une part, je pense que le vieux monde politique et c'est la décomposition des vieilles forces politiques n'étaient pas encore arrivées à maturité. Et deuxième phénomène, l'UMP à l'époque, ce qui s'appelait l'UMP et le Parti socialiste, s'étaient donné des candidats, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, qui étaient assez novateurs dans leurs approches et qui avaient permis de gagner un peu de temps, si vous voulez. Donc en 2007, la situation n'est pas suffisamment mûre et où François Bayrou n'a pas suffisamment d'énergie et de talent pour faire disrupter tout le système. 10 ans plus tard, fin de quinquennat chaotique de François Hollande, les affaires Fillon permettent à Emmanuel Macron de surgir et pour le coup de disrupter le système. Alors, cette disruption, elle s'est faite en deux saisons. La saison 1, c'est 2017. Le Parti socialiste, représenté par Benoît Hamon, fait 6% des voix. Et François Fillon, en dépit de ses affaires de costume, fait quand même 20% des voix. Et Emmanuel Macron est à 24%, avec Marine Le Pen qui se qualifie au deuxième tour pour la première fois 15 ans après son père. Et puis la saison 2, c'est l'année dernière, en 2022, où, avec 6% pour Benoît Hamon, on se disait que le PS avait touché le fond sur une présidentielle. Et on est arrivé à un score de 1,7% pour Anne Hidalgo. Quand on regarde les fichiers Excel des résultats électoraux, on a 5000 communes en France où Anne Hidalgo fait de moins de 0,5%, qui était un des deux grands partis politiques français au plan national. Et là, la saison 2 prend toute sa dimension, parce que cette fois, c'est aussi le deuxième pilier qui avait à peu près résisté la dernière fois, le pilier droit, qui à son tour s'effondre, avec un score de 4,7% pour Valérie Pécresse. Et donc si vous faites le total, ce qu'on n'aurait jamais fait dans un institut de sondage, on aurait dit dans le monde d'avant, PS plus Républicains, donc les deux grands partis de gouvernement, vous obtenez le score cumulé de 6,4% au premier tour d'une présidentielle. 2012, match Hollande-Sarkozy, ces deux candidats au premier tour cumulent 56% des voix. 10 ans plus tard, leurs deux héritiers sont à 6,5%. Donc ça vous donne l'importance de cette disruption et cette transformation très très, très, très profonde. Puisque, encore une fois, une des thèses que je défends, c'est de dire ce qu'on constate en bout de chaîne sur la scène électorale, en fait, n'est que la résultante profonde de toutes les transformations sociétales que le pays a connues, qui permettaient à cette gauche et à cette droite de s'ancrer très profondément dans ces soubassements. Et à partir du moment où tous ces soubassements, en quelques dizaines d'années, ont été disloqués, il était illusoire de penser que la toiture de l'édifice ou le dernier étage allait subsister. Donc tout s'est effondré comme un château de cartes. Et donc, pour revenir à votre question, c'est à la fois la concomitance en ces mouvements de temps long et puis le rôle d'événements particuliers ou de figures ou de personnalités qui vont servir d'accélérateur ou de catalyseur à la réaction chimique au bon moment. Je caricature peut-être un peu, mais en vous lisant, on se rend compte que les électeurs d'Emmanuel Macron, c'est ceux qui, globalement, sont peut-être les heureux de la mondialisation, de cette internationalisation, les plus europhiles aussi. Hein. Oui, alors, en 2017, quand on a vu surgir ce candidat, qui était encore, faut se rappeler, inconnu du grand public 3 ans avant, donc nous, à l'IFOP, avec nos modèles, on disait, mais un candidat comme ça, normalement... dans la grammaire classique politique, il n'a aucune chance. Bon, ben, il a été élu. Et donc, on s'est dit, ben alors, quel est l'électorat qui l'a fédéré derrière lui?
Donc on a différentes approches. Donc il y a, vous avez raison, une dimension sociologique. On est plutôt sur la France des diplômés, des grandes villes, ce qu'on appelle des CSP+. Politiquement, ce qu'on disait à l'instant, autour d'un bloc central de l'électorat de François Bayrou, qui l'avait rejoint, sont venus s'agréger à la fois le camp modéré pro-européen de la droite et le camp modéré pro-européen du PS. Mais si on voulait avoir une formule qui ramasse encore un peu plus les choses, avec toutes nos batteries de sondages, on s'était rendu compte qu'en 2017, l'électorat d'Emmanuel Macron, plus que par ses origines politiques, son statut social ou le lieu où il habitait, il se caractérisait par à la fois effectivement un très fort attachement européen, qui est un peu la colonne vertébrale idéologique du macronisme, et aussi par un fort sentiment d'optimisme vis-à-vis de l'avenir. Et donc, ce n'est pas forcément la France la plus riche, c'est la France qui va relativement bien et qui est relativement optimiste et pro-européenne, qui s'est retrouvée en 2017 derrière Emmanuel Macron. Là où les choses sont assez surprenantes, c'est que Emmanuel Macron donc a été réélu en 2022, autre tour de force, hors période de cohabitation. Et puis, je vous rappelle, il fait 27,5% des voix au premier tour, et en 2017, il avait fait 24,5%. Donc on se dit, ça y est, il a trouvé son électorat qui est en train de se consolider, de se stabiliser. Sauf que quand vous faites la carte, puisqu'il faisait à peu près le même score, quand vous faites la carte et vous regardez les sondages, vous vous rendez compte qu'il y a eu un chassé-croisé, un turnover assez important dans son électorat. Toute une partie de l'électorat qui venait de la gauche, qui avait voté pour lui en 2017, s'est dit, vous savez, c'est un peu comme le pâté d'Alouette, là, ni gauche ni droite, il y a quand même plus de cheval que d'Alouette, et donc cette affaire, c'est quand même plutôt de droite. Et donc toute une partie de l'électorat de gauche qui l'avait soutenu l'a quitté, mais il fait un score plus important en 2022 qu'en 2017. C'est-à-dire que ses pertes et ses départs ont été plus que compensés par le renfort et l'arrivée d'un électorat qui, en 2017, avait voté à droite, avait voté pour François Fillon. Et donc, là, c'est une autre spécificité très forte du macronisme, c'est la capacité qu'il a eue à faire muter son électorat en 5 ans seulement. Alors qu'habituellement, vous avez un candidat qui se présente à 2 élections, son score va être plus ou moins élevé à l'élection, la première et la deuxième. Mais en général, c'est autour de la même base électorale et on va avoir un peu de gain ou un peu de perte. Mais l'électorat est assez stable, ce qui n'est pas vraiment le cas. Là, encore une fois, il y a un turnover très important qui nous a fait écrire que cet électorat-là, le candidat Macron, en 5 ans, avait changé de groupe sanguin. Vous savez, quand un patient subit une opération chirurgicale lourde, parfois une greffe de moelle osseuse, donc il s'en sort, mais il n'a plus le même groupe sanguin à la sortie. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'en surface, c'est le même, mais c'est plus exactement le même sang qui coule aujourd'hui dans ses veines. Et donc là aussi, ça nous dit beaucoup sur la fluidité des attaches politiques aujourd'hui, qui, il y a encore 15 ou 20 ans, n'auraient pas permis de tels renouvellements aussi rapides. Alors on va voir avec vous si le groupe sanguin du FN-RN désormais a changé également. Parce qu'un des principaux éléments sur lesquels vous revenez dans votre tableau politique, c'est évidemment la très forte montée en puissance du vote RN au fil des 20 dernières années. Un parti qui a vu son capital électoral croître de plus de 7 millions d'électeurs. Je crois que c'est une montée en puissance assez inédite. Et puis un électorat qui a changé. Il y a seulement 7% des plus jeunes qui avaient mis un bulletin Le Pen. Alors c'était le père à l'époque. En 2002 et 20 ans plus tard, c'est 47% de ces anciens jeunes, c'est les mêmes, qui ont mis un bulletin Marine Le Pen dans l'urne. Voilà, c'est une dynamique qui semble presque inarrêtable. Hein. Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses qui sont gravées dans le marbre en termes de dynamique électorale, et qu'il peut se passer beaucoup de choses. Regardez le dernier quinquennat, le quinquennat d'Emmanuel Macron, la crise des Gilets jaunes, la crise Covid, la guerre en Ukraine, tout ça rebat quand même très fortement les cartes. Donc il peut se passer plein de choses d'ici 2027. Une fois qu'on a dit ça,
et c'est ce que j'essaie de faire dans la dernière partie du livre, si je considère, et pourquoi j'ai fait ça, parce que je considère qu'on est passé très rapidement du côté des analystes et des commentateurs sur le score du deuxième tour de l'élection présidentielle, où Marine Le Pen a atteint 41,5% des voix au deuxième tour. J'en dis, bon, ben voilà, elle a encore échoué, elle progresse, mais pas assez peu par rapport à 2017. La marche est encore très haute. Bon, tout ça est vrai. N'empêche que ça fait quand même 41,5% des voix au deuxième tour. Et donc, si on prend un peu de recul, son père, alors c'était son père, dans une France différente, un contexte différent, mais son père fait 18% au deuxième tour face à Jacques Chirac en 2002. Et donc, pour donner les chiffres un peu différemment, en 2002, au deuxième tour, Jacques Chirac a 20 millions de voix d'avance sur Jean-Marie Le Pen. En 2017, au deuxième tour, Emmanuel Macron a 11 millions de voix d'avance sur Marine Le Pen. Donc, on avait déjà divisé par deux l'écart. Et l'année dernière, en 2022, il y avait 5 500 000 voix d'avance pour Emmanuel Macron. Donc, on a encore divisé par deux l'écart. Donc, encore une fois, il n'y a pas de loi mathématique qui vous dise la prochaine fois, c'est la bonne, si vous faites la courbe. Néanmoins, tout ça doit me prêter à réflexion de se dire comment on explique ce qu'on pourrait appeler cette montée des eaux bleues marines sur le long terme. Là, je vous ai donné ces quelques chiffres, mais on peut prendre, pour incarner les choses de manière plus parlante, l'exemple de toute la façade ouest du pays. Donc, nous sommes ici à Nantes. Et donc, je parle dans le livre de toute une zone, j'appelle ça la diagonale bucolique. Donc, on partait du sud de l'Aveyron jusqu'au centre de la Bretagne et vous passez dans le Limousin, les Charentes, la Vendée, à l'est de votre beau département et ensuite vous piquez sur le centre Bretagne. Donc, on est dans une France de petites villes, gros bourgs, historiquement assez peu industrialisé, on n'est pas dans le nord-est de la France, historiquement peu touché par la question de l'insécurité, peu concerné par la question de l'immigration, historiquement. Et donc, dans tous ces coins-là, sur la diagonale bucolique, là, des confins du Rouergue jusqu'en plein centre des Monts d'Arrée, au deuxième tour en 2002, dans tous ces coins-là, le tarif syndical pour Jean-Marie Le Pen, c'est à peine 10% des voix. L'année dernière, dans tous ces coins-là, sa fille a fait entre 35 et 45% des voix dans tous ces cantons, en 20 ans. 35% ou 40%, c'était ce que Jean-Marie Le Pen faisait dans le Var, dans les Alpes-Maritimes, ou autour de l'étang de Berre, il y a 20 ans. Et donc on peut se dire que ce qui était les plafonds d'hier sont devenus les planchers d'aujourd'hui. Et donc ça montre bien les choses. Vous avez cité aussi ce chiffre. Je suis allé regarder, on a des sondagistes, des archives, comment les gens avaient voté par tranche d'âge lors de l'élection présidentielle de 2002. Et donc les gens qui avaient entre 18 et 24 ans en 2002, pour ceux qui s'étaient donné la peine d'aller voter, ils avaient voté au deuxième tour à 7% pour Jean-Marie Le Pen. Cette génération-là, vous savez, elle s'était notamment très fortement mobilisée dans l'entre-deux-tours, dans des cortèges géants, où on chantait un slogan issu d'une chanson célèbre qui disait « La jeunesse emmerde le Front National ». Cette génération-là, 20 ans plus tard, elle a entre 38 et 44 ans. En 2022, ces gens-là ont voté à 47% pour Marine Le Pen. Alors, ce n'est pas Jean-Marie, c'est Marine. L'écart d'âge n'est pas le même. Mais donc, vous voyez que cette génération emmerde beaucoup moins le Front National qu'il y a 20 ans. Et donc, il faut s'interroger sur ce qui s'est passé dans cette population. Cette montée des eaux bleues marines, encore une fois, elle n'est pas mécanique et inexorable. Il y a des causes que j'essaie d'analyser. Et puis, il y a aussi un certain nombre de blocs, de freins, de verrous, qui continue de résister très fortement à cette montée. Et autant je vous ai parlé de tous ces cantons ruraux ou ces petites villes, y compris dans l'Ouest où le vote avait explosé, en revanche, une ville comme Nantes en est l'illustration parfaite, les grandes villes demeurent toujours très réfractaires à ce vote-là.
Si vous prenez le cas de Paris, et Nantes, c'est à peu près la même chose. Paris, en 2002, Jean-Marie Le Pen fait 10% au deuxième tour. L'année dernière, sa fille a fait 15%. Et de mémoire, à Nantes, on devait être à peine 10% en 2002, et l'année dernière, sa fille a fait 18 ou 19%. Alors vous allez me dire, on passe de 10 à 18, la progression est quand même importante, mais sans un score, minimal, acceptable dans les grandes villes, devenir majoritaire au niveau national, ça va être très compliqué pour Marine Le Pen. Donc il y a la spécificité de ces grandes métropoles, et il y a une autre spécificité, on parlait des générations, c'est la génération du baby boom, les fameux boomers, qui continuent, qui est déjà voté très peu pour Jean-Marie Le Pen quand ils avaient 45 ou 50 ans en 2002, mais qui aujourd'hui, arrivés à l'âge de la retraite ou plus, votent toujours très peu pour la fille. Et donc le vote des grandes villes et le vote des boomers, qui sont très nombreux, constituent, de notre point de vue, les deux verrous que Marine Le Pen et ses lieutenants vont devoir essayer de déverrouiller s'ils veulent franchir les deux dernières marches qui les séparent de la victoire la prochaine fois. Mais encore une fois, il peut se passer plein de choses. Alors, c'est une anecdote, mais vous nous avez dit que beaucoup la France changeait. Vous avez fait une étude du vote dans les casernes, alors c'est pas très simple, mais là vous avez vu qu'au niveau du vote, les militaires, ça votait toujours très à droite. Hein. Oui, alors là on s'inspirait aussi de Siegfried, c'est-à-dire, est-ce que je vous disais en introduction, Siegfried faisait des monographies, et quand on veut s'intéresser aux votes de catégories spécifiques, mais qui sont très peu nombreuses, on ne peut pas travailler par sondage. C'est-à-dire que notre sondage, il va faire 1000 personnes. Quand on a un client qui a un peu de sous, on fait 2000 ou 3000 individus. Et donc ça, c'est suffisant pour avoir le vote des hommes, des femmes, par tranche d'âge, par catégorie professionnelle. Quand je dis catégorie professionnelle, c'est ouvrier, employé, cadre, profession intermédiaire. Mais si on veut aller dans des métiers plus spécifiques, on va être limité. Donc typiquement, le vote des militaires, sur un échantillon de 3000 personnes, si on a 5-6 militaires dans l'échantillon, c'est le bout. Donc on ne va pas sortir un pourcentage sur 5 ou 6 individus. En revanche, on peut aller regarder le vote dans un certain nombre de villes de garnison. Alors on ne va pas prendre Brest, où il y a beaucoup de marins de la Marine nationale, parce qu'ils sont dilués dans une grande agglomération, mais si vous prenez des villes du nord-est de la France, au hasard, Mourmelon, Dieuze, etc., etc., où la population est assez petite, et où il y a une forte présence militaire, soit des casernes de l'armée de terre, soit des bases aériennes, là, on peut avoir une estimation du vote des militaires. Et donc, on voit qu'il y a un survote en faveur de Marine Le Pen qui est très puissant. Idem dans les bureaux de vote en ville qui correspondent à des endroits où sont situées des casernes de la gendarmerie, où on a un vote bleu marine assez marqué, chez les porteurs d'uniformes, effectivement. Donc là aussi, on peut s'interroger sur les causes qui font que ces catégories de population votent massivement pour ce type de candidat. Et alors, vous vous intéressez aussi au bloc de gauche et d'extrême gauche. Je ne sais pas si on peut dire bloc, d'ailleurs, il y a quelques fissures, et notamment son candidat Mélenchon, le référence américaine, là aussi, le Sanders français, je crois que c'est le candidat le plus âgé, mais qui était plébiscité chez les jeunes. Hein. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil, comme la référence nord-américaine n'est pas souvent plébiscitée dans l'entourage de Mélenchon, mais on disait, voilà, il ressemble un peu quand même à Bernie Sanders, c'est-à-dire que c'était le candidat le plus âgé la dernière fois, comme aux États-Unis, mais qui avait fait le meilleur score sur les jeunes. Une fois qu'on a dit ça, Jean-Luc Mélenchon a obtenu quand même 22% des voix et il est parvenu, pour rassembler cet électorat assez important, il est parvenu à agréger en fait différentes îles de l'archipel, si on prend la métaphore de l'archipel. Donc comme on l'a dit, un des ingrédients de la recette Mélenchon, c'est l'électorat jeune, ce qu'on a appelé la génération climat, qui est très sensible à la question environnementale, et Jean-Luc Mélenchon avait placé au cœur de son programme la planification écologique, donc il a siphonné toute une partie du vote écolo, et il arrive largement en tête, à plus de 30%,
chez les 18-35 ans, même jusqu'à 35 ans. Ça, c'est la première composante. Deuxième composante, typiquement dans une ville comme la vôtre, un score élevé dans les grandes métropoles, notamment les grandes métropoles universitaires, où Jean-Luc Mélenchon a capté toute une partie du vote traditionnel de gauche, socialiste ou écologiste, qui, par réflexe de vote utile, souhaitant que un candidat de gauche soit présent au deuxième tour, même s'il ne partageait pas toutes les options de Jean-Luc Mélenchon, s'est reporté sur lui. Et donc ces grandes villes universitaires où les quartiers bobos dans l'Est parisien donnent aussi des scores très élevés à Jean-Luc Mélenchon. Donc sa deuxième composante. La troisième composante, c'est le vote des quartiers, avec des scores très élevés dans les quartiers de grands ensembles ou dans les communes de banlieue. Typiquement, vous prenez en région parisienne, c'est 60% des voix à trappe, 45% en moyenne sur la Seine-Saint-Denis, mais avec des scores là aussi à plus de 60% à Bondy, à Aubervilliers, à La Courneuve, etc. etc. Quatrième composante de cet électorat Mélenchon, ce qui reste de ce qu'on appelait le mouvement ouvrier organisé, donc une France du salariat qui est syndiquée, typiquement dans certaines industries ou dans certains services publics. Donc si vous êtes proche de la CGT, proche de FO, on a des scores à 40 ou 50% pour Jean-Luc Mélenchon. Autre île de l'archipel mélenchoniste, tout un électorat, alors parce qu'on présente l'électorat Mélenchon comme un électorat très urbain, mais dans certaines zones rurales, il a obtenu aussi des scores très importants, notamment dans le sud de la France, alors pas au bord de la mer, mais en gros dans toutes les zones de montagne du sud du pays. En gros, vous partez de l'Ariège jusqu'au Vercors, passant par les Cévennes, le Larzac, etc., etc., où là, on a quoi ? On a une sociologie qui est très particulière. Donc on a à la fois des vieilles terres de gauche marquées par l'épisode de la Résistance, mais également des endroits qui, depuis les années 60, ont accueilli tout ce qu'on a appelé les néo-ruraux, les hippies qui sont venus s'installer là, alors, plutôt dans le sud que dans le nord, parce qu'il faisait meilleur quand même. Et donc, ils ont pris racine. Il y en a beaucoup qui sont repartis, mais certains sont restés. Et ils ont été rejoints, ceux des années 60-70, par des nouvelles vagues d'arrivants. Vous voyez, tous les courants de la collapsologie, de l'effondrement climatique, etc. Bon, beaucoup vont s'installer dans ces régions-là. José Bové avait été candidat en 2002, en 2007. C'est à peu près la même géographie. Ces territoires-là sont aussi marqués par une forte présence de l'agriculture biologique, forte prévalence des médecines douces. Et donc on avait déjà vu cette géographie, cette espèce de croissant du sud là, émerger dans les cartes au moment, à l'été 2021, donc on était un an avant la présidentielle, quand avaient été publiées les cartes de ce qu'on avait appelé la défiance vaccinale. Vous vous souvenez, on sortait du Covid, il fallait se faire vacciner. Et donc, on avait observé que, une fois qu'on avait neutralisé statistiquement l'effet d'âge, puisque les populations les plus âgées étaient celles qui avaient été à qui on avait demandé le plus rapidement de se vacciner, donc une fois qu'on égalisait le facteur d'âge, eh bien, on voyait qu'il y avait des disparités géographiques assez marquées sur la propension à se faire vacciner ou non, et qu'on avait toute cette zone-là qui était assez réfractaire. Et donc ça allait ensemble avec l'adhésion aux médecines douces, l'agriculture biologique, etc. etc. Donc les mobilisations contre les antennes relais. Et donc c'est un terreau aussi alter décroissant, donc très éloigné sociologiquement, culturellement, par exemple, de la France des banlieues, qui a massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon. Et puis, dernière composante de son électorat assez hétérogène, un fort vote aussi dans beaucoup de nos territoires ultramarins, avec des scores qui font plus de 50% en Guyane, aux Antilles, au premier tour, où là aussi la question de la défiance vaccinale a pu jouer, avec aussi, là, bien sûr, la question sociale.
Bien, merci. Il va être temps de vous laisser la parole pour 20 minutes de questions. Une petite dernière question avant, et puis avant de vous remercier pour ce tableau assez complet, finalement, en peu de temps. Ça va être quoi les prochains sujets là, que vous allez suivre, peut-être comme le lait sur le feu, peut-être les conséquences du conflit entre Israël et le Hamas ? Alors, effectivement, il y a ces événements-là qui monopolisent et qui tendent aussi toute une partie de la population française, une partie, hein, puisqu'il y a une autre partie qui regarde ça de manière plus éloignée. J'évoquais tout à l'heure le cinquième anniversaire des Gilets jaunes et la question de la baisse de la consommation alimentaire. Vous souvenez que quand la crise des Gilets jaunes démarre, donc c'est l'étincelle, c'est la taxe de 2 centimes sur le prix des carburants, mais que quand la toile de fond, c'est un prix à la pompe d'1,40€ pour le litre de gasoil au moment en novembre 2018. On est aujourd'hui à peu près à 2€. On a parlé de cette baisse de consommation alimentaire dans une partie de la population. Donc c'est des sujets aussi qu'on va suivre. C'est-à-dire, on n'avait pas vu arriver la crise des Gilets jaunes. Une fois que ça a démarré, on n'a pas été, nous, surpris de voir que c'était cette France des ronds-points, périphérique, très dépendante de la voiture, qui s'était mobilisée. Donc c'est très difficile à prévoir le surgissement d'un conflit social comme ça. Mais là, on a une espèce de terreau qui nous rappelle un peu ces choses-là. Donc c'est des choses qu'on va suivre également dans les semaines et les mois qui viennent. Eh bien, on vous réinvitera pour en parler avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Ce tableau particulièrement complet. Et je recommande bien sûr très chaleureusement la lecture de votre ouvrage pour ceux qui voudraient aller plus loin. Ouvrage que vous avez dédicacé dans 20-30 minutes. On va prendre quelques questions dans cet intervalle. Oui, madame. Alors. Juste devant. Oui. Ah, merci, madame. Pardon. Merci pour cette présentation. Ça donne envie de lire votre livre. Alors il y a une question qui reste en suspens, c'est vous avez beaucoup parlé des élections et il y a un paradoxe moi qui me saute un peu aux yeux, c'est l'analyse de l'abstention qui laisse un champ quand même, beaucoup de questions, et avec en lien avec les mouvements qui sont passés pour la retraite, il y a pour moi un paradoxe là entre abstention pour des élections politiques et un grand mouvement social qui est lié au pouvoir d'achat, etc. Et j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Merci beaucoup. Alors effectivement, quand on travaille sur les résultats électoraux en général, des formations, on s'intéresse à ceux qui ont mis le bulletin dans le vote, dans l'urne, même si effectivement la question de l'abstention, c'est un phénomène majeur. Alors, plusieurs observations là-dessus. La première, c'est que si indéniablement on a une augmentation très forte et tendancielle de l'abstention, on a un scrutin qui demeure relativement préservé, c'est le scrutin présidentiel. Puisque même si ça a baissé par rapport à avant, on a encore à peu près 75 à 80% de la population qui fait l'effort d'aller voter. Et donc, vous voyez là, on parle déjà à l'avance de l'élection présidentielle américaine. S'ils atteignent 50% de participation, c'est le bout du monde. Donc, nous, on est quand même sur une présidentielle très au-delà. Cet intérêt pour la présidentielle renvoie à ce que moi j'appelle le syndrome « aller me chercher le patron ». C'est-à-dire que les Français, aujourd'hui, une part importante d'entre eux, ne se mobilisent plus que pour l'élection reine, qui est la présidentielle. Une des illustrations de tout ça, c'est que quelques mois seulement ou semaines seulement après la présidentielle, il y a les législatives, et on voit que c'est quand même important, les législatives, parce que s'il n'y a pas de majorité, c'est compliqué au patron d'appliquer sa politique, eh bien vous avez un taux d'abstention qui augmente très spectaculairement à 2 mois d'écart seulement. Petite parenthèse, ça veut dire que si on peut s'interroger sur le bien fondé de notre système présidentialiste
avec une élection reine qui fait naître énormément d'attentes sur les épaules d'un seul homme ou d'une seule femme, et qui souvent mécaniquement génère beaucoup de déceptions et de gueules de bois après, je pense que n'est pas né celui qui va retirer aux Français le droit d'aller chercher le patron et d'élire le boss. De ce point de vue-là, Emmanuel Macron, de par sa pratique des institutions de la Ve République, il a lui-même théorisé comme jupitérienne, a renforcé ce syndrome-là. Vous vous souvenez, on a parlé du Covid, quand on était confiné, 65 millions de Français qui étaient confinés, et la presse titrait 65 millions de Français suspendus à la décision d'un seul homme quand le soir on allumait la télé ou la radio pour savoir quand est-ce qu'on aurait le droit de sortir. Tout ça, c'est niché très loin dans les détails, hein, en Bretagne voisine. Quand le déconfinement a eu lieu, certains maires bretons ont voulu rouvrir leurs plages. Il fallait qu'on ait une autorisation du ministère de l'Intérieur à Paris pour savoir si on pouvait ouvrir les plages. Bon, alors que le maire disait « je ne fais pas n'importe quoi, je connais ma population, mon territoire ». Vous vous rappelez aussi peut-être, on était un peu plus loin dans la crise Covid, quand il n'y avait plus que le couvre-feu. Et donc, il y a eu un grand rendez-vous sportif en France, c'est Roland-Garros. Et les deux finalistes ont eu la mauvaise idée de ne pas se mettre d'accord sur le score avant 22h. Et donc, à 22h, le match n'était pas fini. Et donc, la direction de Roland-Garros a appelé Matignon pour savoir si on avait le droit de la permission de minuit de finir le match. Et donc, blague à part, vous voyez que tout ça installe beaucoup l'idée que tout se décide en haut. Pendant le Covid, on parlait des conseils de défense. Et donc, il y a 5 ou 6 personnes autour du président de la République qui décidaient de tout. Et donc, ça concentre énormément de choses. Et donc, les Français vont encore voter pour cette élection reine, mais ils le font beaucoup moins pour le reste. Et ils se sentent aussi beaucoup moins liés par le vote. Donc, vous avez parlé de la réforme des retraites, qui a énormément mobilisé, notamment ici à Nantes, alors même que le candidat qui avait été élu avait annoncé noir sur blanc ce qu'il ferait. Et c'était quelques mois avant. Là, on peut dire, oui, mais nous, on n'avait pas voté pour ça, on a voté contre Le Pen, donc on ne se sentait pas lié. On a parlé aussi de la crise des Gilets jaunes, qui surgit 18 mois seulement après l'élection d'Emmanuel Macron, qui se fait élire sur un programme de renouvellement des pratiques démocratiques, du dépassement du vieux clivage gauche-droite, etc., etc. Et ça n'empêche pas qu'on ait une crise sociale majeure à peine 1 an et demi. Donc, ce que ça montre aussi, et ça va dans le sens de cette France d'après, c'est que historiquement, c'était construit un rapport assez ritualisé, un peu religieux ou sacralisé au vote. Vous vous souvenez la première fois où vous avez accompagné vos parents dans un bureau de vote? Vous vous souvenez la première fois où c'est vous qui avez eu le droit d'aller voter? C'est un peu comme quand on allait à la messe pour ceux qui y allaient. Voilà. Aujourd'hui, le président d'un bureau de vote, il se retrouve un peu comme parfois le curé le dimanche, hein, c'est-à-dire qu'il dit la messe, mais il y a de moins en moins de gens qui l'écoutent. Hein, et donc ce côté très ritualisé et sacralisé, aujourd'hui, va beaucoup moins de soi, et les Français privilégient d'autres modes d'expression, donc soit la manifestation, soit d'autres types de mobilisation, par exemple les pétitions. Vous voyez, les pétitions en ligne, sur certaines plateformes, ils s'en déposent des centaines chaque jour, avec des dizaines et des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de signatures qui peuvent se déposer là-dessus. Les autres bienfaits de l'économie numérique, je ne sais pas si c'est un bienfait, mais vous avez vu aussi, dans des périodes assez tendues, ce qui s'est passé autour des cagnottes. Il y avait la cagnotte pour Naël, la cagnotte pour le policier, et donc des milliers et des milliers de Français sont allés donner de l'argent. Peu importe ce qu'on allait faire de cet argent, ce qui comptait, c'était de se mobiliser, de se compter sur une cause. Et donc, vous voyez que de la même manière que l'engagement militant, aujourd'hui, a perdu de ses couleurs, le fait d'aller voter, hormis pour aller élire le boss, aujourd'hui, tend à perdre de son automaticité. Et ça vaut aussi pour les élections locales, qu'on a cru à un moment comme étant préservé de ce phénomène, en disant là, les Français, ils voient bien ce que fait un maire,
Ils voient bien ce que fait une région. Bon, et on peut avoir le sentiment que pour beaucoup de Français, je caricature, hein, mais sur les dernières élections régionales, on a eu plus de 60% d'abstention. Mais pour beaucoup de Français, ça fait 30 ans qu'on vote pour des régionales. Ils se disent, avoir un président ou une présidente de région de gauche ou de droite, qu'est-ce que ça change dans ma vie ? Les lycées ne seront pas mieux ou moins bien entretenus, les TER non plus. Et qu'est-ce que ça va changer ? Ça va être que l'inauguration du nouveau lycée, dans un coup, il va s'appeler Pablo Neruda, et dans l'autre, il va s'appeler Charles de Gaulle. Mais à part ça, ça ne va pas énormément changer ma vie. Et donc, on peut s'interroger, parce que les régions sont là depuis 35 ans maintenant, elles dépensent beaucoup d'argent pour faire connaître leurs prérogatives, ce qu'elles font, etc. Et on a un niveau d'abstention qui ne cesse d'augmenter sur ce type de scrutin. Merci. Alors, on a le temps pour deux questions, je crois. Signe. Oui, vous avez décrit un paysage politique français marqué par une tripartition avec trois blocs, un bloc d'extrême gauche, un bloc d'extrême droite, un bloc central. Est-ce que vous pensez qu'avec la perspective de voir Emmanuel Macron quitter le pouvoir en 2027, cette tripartition va perdurer ? Alors, merci pour votre question. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'était que le paysage électoral, en fait, n'était que la résultante ou l'illustration de l'état d'une société à un moment donné. Et donc, je pense que ce n'est pas le fait du hasard si on a cette tripartition. Maintenant, on est peut-être et probablement dans une phase intermédiaire. Bien malin qui sait combien de temps elle va durer, cette phase intermédiaire, et qui peut aboutir qu'on a de nouveaux équilibres au bout de cette séquence qui peut durer un certain nombre de temps. Emmanuel Macron a eu comme premier ministre Édouard Philippe, qui avait la formule suivante, la poutre travaille encore. Donc je la reprendrai à mon compte en disant que je pense que la poutre travaille encore, que la situation de tripartition qu'on a vue émerger lors de la dernière élection présidentielle n'est peut-être pas le point d'aboutissement des processus de transformation électoraux, que peut-être nous allons assister à d'autres évolutions dans les mois et les années qui viennent, notamment pour ce bloc central dont l'architecte et le principal ciment est Emmanuel Macron et qui, par construction, ne pourra pas briguer une troisième fois les suffrages des Français à la présidentielle prochaine. On va prendre Merci. Une dernière question afin que Jérôme Fourquet puisse avoir le temps de signer quelques livres. Tenez. Oui, bonjour. Est-ce que les journaux locaux ont une influence sur le vote de ces mêmes régions ? Qu'en est-il de notre région ? Merci, madame, pour votre question. Et donc, je consacre un petit chapitre de mon livre à spécificité du Grand Ouest et notamment des Pays de la Loire, donc ou une partie des Pays de la Loire, la Mayenne, une partie de votre département, l'Ouest du Maine-et-Loire et puis le Bocage vendéen, où on constate que, au regard de la composition sociologique de ce territoire, le vote en faveur d'Emmanuel Macron est anormalement, au plan statistique, élevé par rapport à ce qu'il devait être compte tenu de la typologie de la population. Et donc on s'interroge sur ce survote macroniste et on y voit plusieurs choses. D'abord la survivance d'une matrice très ancienne, une matrice catholique, avec une forte présence des écoles privées, mais aussi qui a cultivé dans la population locale ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire on ne va pas tout attendre de l'État central, on va s'organiser entre nous. Et donc, vous voyez que dans tous ces départements-là, on a un très faible taux de chômage historiquement, avec un tissu très actif de PME, d'entreprises familiales, parfois même des ETI, des grosses PME, où on travaille en réseau. On a un phénomène dans le même ordre, du même ordre d'idées, avec une forte présence du mutualisme dans le réseau bancaire ou assurantiel. Des régions qui ont été pionnières aussi dans la coopération agricole avec les GAEC, etc., etc. Donc il y a toute cette culture-là. Et également, il y a un autre ingrédient dans l'équation, c'est la présence très forte de Ouest-France dans cette région,
alors qui diffuse sur tout le Grand Ouest, mais qui a précisément comme point fort de, en termes de taux de pénétration, ces territoires-là. Et donc c'est un peu la poule et l'œuf, c'est-à-dire que Ouest-France est à l'image aussi de ces territoires et il véhicule. Si vous regardez les origines de Ouest-France, démocratie chrétienne, engagement pro-européen, et donc c'est la poule et l'œuf, en ce sens qu'il est à la fois ce journal très représentatif de cette idéologie, de cette culture locale, et qu'en même temps, de par sa très grande pénétration et diffusion, il contribue au maintien et à la persistance de ce courant de pensée localisé dans cette région. Et tout ça n'a pas échappé à la sagacité des conseillers d'Emmanuel Macron, puisque c'est à Ouest-France qu'Emmanuel Macron a accordé sa grande interview à la presse régionale dans l'entre-deux-tours de 2022. Donc il y a un rôle de la PQR, notamment dans le Grand Ouest, mais j'allais dire, on a aussi la PQR qu'on mérite et qui a l'image d'un territoire, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'osmose qui a su se créer. Et donc, je fais un peu de publicité pour Ouest-France ici. C'est-à-dire que si vous regardez le niveau de qualité de la presse quotidienne régionale dans d'autres régions françaises, on n'a pas forcément non plus une presse qui est d'un aussi beau niveau qu'Ouest-France, et ce qui explique aussi la résistance en termes de diffusion de Ouest-France dans son territoire. Bien, merci encore. Merci à vous. Monsieur Fourquet. Merci beaucoup.